Les spécialistes du teuf avec quelques thèmes de la soirée. On va parler de la victoire de Diamond Light samedi dernier dans la course principale. Diamond Light monté par Raquel Tonirotti. Et puis avec Gilbert Roussette, triplé Max Wapax, Pierre Davignon et Cherish the Charm. L'écurie Gajdar qui a eu le malheur de perdre Blood de Bocanir, mais qui s'est rattrapé grâce à Evergreen, monté par Pravesh Oril. Alors que l'écurie Ricky Mingard a sauvé la journée, Raidura One sur Piri et Quatilé, entre autres. Restez avec nous, on continue cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Donc, Nushpedia Ouli à la une de l'émission, la victoire de Diamond Light dans la course principale. Diamond Light monté par Rakesh Bogirotti. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Ali. Diamond Light qui cause une surprise. Oui, une grosse surprise. Peut-être nous n'avons pas ignoré un peu trop rapidement après ce compte performance lors de la 14e journée. C'est la première fois qu'il s'y galope non placé en 35 sorties au champ de Mars. Les courses qui sont montées par Rai Durawan et qui un peu dans un tout à l'heure, nous avons l'occasion de revoir ce film. D'ailleurs, avant qu'il nous rentre dans plus de détails, nous allons ensemble la victoire de Diamond Knight. Le départ. Départ de la course principale qui se déroule sur 2200 mètres. Alors, bon départ pour Everest, comme attendu, qui va assumer le train Everest. Everest devant la doublure de l'écurie Patrick Mavin Lovestrock, mais Vettel également, sollicité par Jean-Roland Boutanive. C'est Vettel qui va ravir le commandement à Everest pour partir sur les bases élevées Vettel. Vettel-Everest, ensuite on retrouve en troisième position Lovestrock, Top Jet. En dehors, il y a Ice Axe, Skippy John Joe, Grazing Control, Bastille D, qui se retrouve en avant-dernière position, et Diamond Light. Les chevaux entrent dans la ligne droite pour la première fois avec une très belle marge de manœuvre pour Vettel et Jean-Roland Boutanive. Everest suit toujours en deuxième position dans sa foulée. Il y a Lovestruck, Ice Axe, Skippy John Jones dans le sillage de son compagnon d'écurie. Top Jet bien retenu par Raijura One, Bastille D. Puis on retrouve Grazing Control et toujours en queue de peloton, il y a Diamond Light. Vettel tient le bon bout avec donc une avance confortable pour l'instant sur Everest. Jusqu'où tiendra-t-il au tombeau Malartic Vettel Everest? En troisième position, il y a toujours donc la doublure de l'écurie Patrick Mervin Lovestruck, Skippy John Jones, Ice Axe. Bastille se rapproche d'Ice Axe, Top Jet, Diamond Light et Grazing Control. Vettel pour l'instant tient bon en tête de cette épreuve avec Everest. Et voilà que Lovestruck maintenant se rapproche d'Everest. Skippy John Jones attend patiemment son heure, on connaît son finish. Ensuite, il y a Bastille également qui se rapproche derrière Diamond Light. Il faudra suivre Top Jet et Grazing Control, toujours en queue de peloton. Vettel maintenant pratiquement rattrapé par Everest et Lovestruck. Vettel n'en peut plus et cède face à Everest. Lovestruck, Skippy John Jones, Diamond Light s'amène à l'extérieur. Top Jet, Grazing Control, Bastille en pleine ligne droite. Il y a Everest. Everest a mis le nez devant. Everest à l'extérieur. Il y a Diamond Light. Diamond Light. Diamond Light termine en roue libre à l'extérieur face à Skippy John Jones. Sans problème pour Diamond Light. Devant Skippy John Jones. Everest. Ensuite, on retrouve Love. Diamond Light donc devant Skippy John Jones, Everest. Et Lovestruck qui prend quatrième place. Henley Kouss qui est connu pour être une préparation pour Méden. Nitin, et que là, nous avons gagné une surprise en Diamond Light. Oui, une victoire qui ne souffre d'aucune contestation, parce qu'il nous dit qu'il y a un train rapide dans les courses, c'est le meilleur cheval qui gagne souvent. Et Diamond Light il profite pleinement de ce train d'enfer imprimé par Vettel là pour remporter une victoire très convaincante par plus de 3 longueurs devant Skippy John Jones qui était parmi les favoris de la course. Pourtant, ce dernier les courses, pas si vraiment très encourageante. C'est la seule fois qu'il y a une galope non placée. Si tu termines à la dernière place, mais à seulement 4 longueurs du gagnant, il est monté par Raijura One. Mais quand nous pourrions regarder ça, finalement, nous trouver qu'il y a une galope à l'extérieur. C'est Everest, Vettel et Skippy John Jones dans le champ, Top Jet en queue de peloton, Isaac en deuxième position. Les cigales plus près
des meneurs. Vous trouvez là les passes à l'extérieur de Vettel et de Isaac. Everest devant, sollicité par Derek David. Et quand Diamond Knight rentre dans la droite, nous trouvons Suzuki en difficulté. Parce que ces valles-là, il a tendance, rentre à l'intérieur. Et le jockey n'est pas capable d'assister lui comment il tient en vie vraiment. Moi, par quoi il tient bien les courses, je vois probablement qu'il s'est progresser encore l'eau ça les courses. Et cette fois, avec la montre de Bagherotti, il décide de reprendre lui sagement au départ. Il profite de sa traîne en fait là pour faire la différence facilement en ligne droite. Le Bolguet, maintenant, le départ de Diamond Light samedi dernier, c'était sur 2200 mètres. Alors, Diamond Light qui se fait sortir ici depuis 7e couloir. Oui, l'entraîneur Charles Ramdin, qui conscient qu'il prend beaucoup de train dans la course avec la présence de Everest et de Vettel. Donc, il demande à Rakesh Bagherati de ne pas prendre de risque, de ne pas bousculer sous ses valles au départ et de chercher une position tranquillement en off-pace. Bagherati qui ne prend pas de risque, donc il suit en queue de peloton carrément. Et ce cheval qui bien relax sur la majeure partie du parcours. Et il commence de manière un effort graduellement à partir du 600 mètres. Nous trouvons une rapprochée très rapidement du peloton de tête. C'est un cheval qui s'est déjà gagné, qui s'est déjà dominé Skippy John Jones sur 2200 mètres lors de la journée internationale l'année dernière. C'est un cheval qui est déjà démontré, donc il a pleinement la distance dans les jambes et dans la ligne droite sous la caravage de Bagherati. Bien accéléré pour dominer aisément Skippy John Jones par plus de 3 longueurs à l'arrivée. Une sacrée ascension pour ce Diamond Light. Nous rappelle côté qui commence, côté retrouve-li. Maintenant, c'est un cheval qui n'est plus dans rien pour prouver au champ de Maurice Nettin. Oui, et l'histoire sera encore plus belle si les récits remportent sa 15e victoire dans le millénaire. Nous intéressons-nous maintenant à Vettel. Vettel qui a vite dans sa course-là, sectional time. Nous pourrons à l'occasion découvrir cela ensemble un peu plus tard. Mais d'abord, Nettin, nous guette le départ de Vettel. Oui, nous trouvons qu'il le plus lent à l'ouverture des boîtes, lui-même sorti en travers des stores, il est monté par Roland Boutani, qui remplace Jeanne Bardotier, qui est blessé dans la 5e course, et nous trouvons qu'il est sorti en travers de ce 9e couloir. L'équipe porte les blinkers à nouveau. Et ce jockey bounce sur au moins 20 défoulés en descente. Là, il peut aller all out pour être capable de dépasser Everest. Même étant l'une des passes Everest, nous trouvons l'une pointe de l'avance sur Everest. 3-4 longueurs. Et il a bien, bien vite. Et il est clair qu'en adoptant une telle tactique, en allant aussi vite sur la partie initiale, qu'il y a une difficulté pour terminer sur les courses. Dans la ligne droite pour la première fois. Et nous trouvons qu'il y en a environ 5-6 longueurs sur Everest à ce stade. Nous avons l'occasion de faire ça, si nous faisons ça, nous allons nous trouver en gros qui a été zéro l'infer sur les premiers mètres de la course, sur les premiers 400 mètres pour capable prendre la direction des opérations. Et nous analysons également le sectional time de la course. Nous trouvons l'Ali en dernière position pratiquement. Et il y a une rush devant entre Love Strip et Everest pour le commandement. Et là, nous trouvons Boutani qui pousse ce cheval. Comme s'il peut galoper un sprint carrément, en 2000 mètres et 1800 mètres, il galope en 10-30. Normalement, c'est pas les temps qu'il va un sprinter faire. Et les premiers 600 mètres de la course, il couvre ça en 35 secondes. Bon, c'est vrai qu'il s'est en descente, mais il est bien difficile pour un cheval, un certain stérieur gagner les courses en allant à cette vitesse-là sur la partie initiale. Nous guettons également que même quand il retrouve lui en tête de Everest, il continue à maintenir un bon tempo devant. Et les premiers 800 mètres finissent galoper en 47 secondes pratiquement. Et les premiers 1000 mètres, nous trouvons galoper dans 1 minute.
et les petits clairs qui a ce stade, ces vals là tu peux effondrer et devant et pas tenir aucun sens de gagner ça les courses avec une telle tactique. Bon, sa tactique là il a été appelé de nombreux tueurs fils, ben journaliste qui fin pose question à ben commissaire à l'issue de la journée. Ben commissaire fin dire que l'entraîneur de l'équipe Gadidor, M. Sungadidor, qui lui connaît que ce valet a pleinement la distance dans les jambes et l'infini a envie et essaie d'asphyxier, faire valoir ce stamina, profiter de ce stamina pour asphyxier ce ben adversaire lors de la partie initiale. Et, mais visiblement, ça, ce n'est pas la tactique idéale pour ce cheval. D'ailleurs, lui-même, il reconnaît ça dans une interview après la victoire de Evergreen, que lui fait une excuse pour sa tactique-là. Visiblement, il n'a pas besoin de revoir ce copie dans les médailles. Donc, Vettel, qui est ici, peut faire dit remonter dans sur les deux, n'a pas cette idée. Oui, son propre compagnon d'écurie, finalement, qui a retrouvé lui. Et dans le dos de Vettel lors de l'emballage final et je jouais mou, j'ai répondu complètement, sinon il est capable de faire beaucoup mieux. Alors, en nous basant le sale course là, parce que nous capables déjà le service sale course là un peu comme référence pour Méden qui va venir dans quelques semaines, une première opinion, le plus grand les courses saison qui peut attendre nous. Oui, nous avons l'occasion de revenir à ça plus tard, Radji, mais pour venir précisément à Vettel, nous avons ignoré complètement ça, les courses là, par rapport à ce qu'il. C'est vrai qu'il termine parmi les derniers, à l'arrivée, le fini dernier, mais vitesse qu'il est allé sur la partie initiale, nous sommes pratiquement sûr qu'il n'est pas capable de disputer la victoire et nous avons regretté dans le Méden. Cela dit, Vettel, comment on finit d'y aller en fin d'émission, nous avons l'occasion cause le Méden, cause son compagnon d'écurie, Bulsara, visiblement pour être aligné. Et nous quittons sa sixième course là pour intéresser à Lucky Valentine, l'autre coursier monté par Rakesh Bhagirathi. Oui, Rakesh Bhagirathi qui peut effectuer son retour après une suspension, l'itinéraire pour interférence au Captain Feb, et il remporte un joli doublé pour le compte de l'écurie Sahelesh Ramdin, avant sa victoire avec Diamond Knight dans l'épreuve principale, il s'est distingué avec Lucky Valentine. Quand il récit prend le commandement, malgré la ligne extérieure, et il réduit la course à l'entame de la descente, et il résistait à ses poursuivants ensuite en ligne droite. Lucky Valentine du 8e couloir, nous pouvons regarder tout ça ensemble. Oui, il a fait des efforts pour capable cross 40 manuel, Mounty Labi, la partie initiale, nous trouvons 40 manuel qui est sorti du premier couloir, qui est également doté d'une belle vélocité. Et là, Bhagirathi peut bien use ce cheval en montée pour capable prendre le lead. Et nous trouvons qu'à l'entame de la descente, il réduit, il ramène ce cheval considérablement. Et Rai Durawan qui derrière l'île au 40 manuel en difficulté, tout comme Bordotier sur Mounty Labi. Vous trouvez qu'on a fait besoin d'assises dans la selle parce que Bhagirathi réduit le train nettement. L'INECOP a la manne 25 000 roupies pour sa faute là. Mais quand on a réanalysé ça, nous trouvons que s'il n'est pas fait à sa faute là, peut-être qu'il n'est pas pour gagner les gros ça. Parce qu'en réduisant la course à ce stade, nous trouvons le peloton pour revenir compact à l'arrière, Mighty Mouse, Flying Machine qui part derrière pour rapprocher d'autres. Parce que justement, l'île ralentit le train nettement. Il permet de se séparer de respirer. Et ensuite, dans la ligne droite, il lance les sprints. Il montre l'île très résistant. C'est en descente qu'il gagne les courses. Là, nous avons l'impression qu'il y a Capella pour remonter. Oui, mais il y en a encore plein de ressources. Lucky Valentine, c'est un combatif. Et il résistait brillamment à ce moment de poursuivre. Lucky Valentine et Rakesh Bhagirathi. Et du côté de l'écurie Gilbert Roussette, Derek David qui finit signalé avec un triplé. Oui, Derek David en grande forme actuellement.
Signalé avec Max Rapax de la deuxième course. Max Rapax, si pour toi, tu peux sortir d'un couloir extérieur et qu'il montre qu'il est intraitable dans sa deuxième course. Max Rapax, c'était face à Craftsman. Max Rapax qui ouvrait la journée pour Derek David. Oui, il est sorti du dixième couloir et nous trouvait ce jockey bouncy sur plusieurs mètres. Sur au moins 150 mètres les courses, là, il est en épaisseur. Libéro d'une position. Il galope le nez au vent. Il fait un gros effort en ligne droite pour capable gagner sa position là. Il galope one off ici. Là, normalement, dans une course à classe ça, un cheval qui peut galoper dans une telle position, bien rare pour tous autres, réaccélérer dans la ligne droite. Et pourtant, c'est ce qui Max Rapax pour faire une fois qu'il rentre dans la ligne droite et ce jockey sollicite lui. Il a accéléré encore pour remporter vraiment une convaincante victoire devant le favori Craftsman. Craftsman, cote justement, ben commissaire de course, qui appelle Vinay Naiko pour demander une explication là, sur la montre. Oui, personnellement, je dire que le live est tombé pour quitter les courses. Je suis un peu surpris pour trouver Craftsman aussi en retrait par rapport à Max Rapax. Moi, personnellement, je pensais Craftsman pour devant dans les courses et Max Rapax pour plus en retrait. Mais sur les premiers mètres de la course, je suis un peu surpris pour trouver Craftsman aussi en retrait par rapport à Max Rapax sur les 200 premiers mètres. Mais étant donné que le film, nous trouvait qu'à l'ouverture des boîtes, Craftsman slipped at the start. Bon, ben, commissaire, tu interroges le jockey Naiko en présence de l'entraîneur Alain Pedro hier. Et nous trouvons Craftsman slip at the gates. Et ben, commissaire demande le jockey Naiko si pas tient l'opportunité pour lui, pour faire une demande sur ses valences efforts ici pour venir devant Halabalu et Sidot. Parce que Craftsman s'est démontré de la vitesse lors de ce sortie précédente. Mais le jockey Naiko dit que l'état qui est à l'intérieur, il trouve le jockey mouche Halabalu. Puis insister pour garder sa position. Et donc, il n'y a pas de road insister parce qu'il disait qu'il a déjà gagné les courses de Laurier avec Craftsman l'année dernière. Donc, il décide pour ramener ce cheval. Il disait là, il a envie de gagner sa position derrière Sidot, là, au bord là. Mais Rakesh Bhagirathi, qui peut monter double dash, il criait. Donc, il a besoin de reprendre ce cheval et place-le derrière double dash. Il disait également qu'il est dans la ligne droite. Ce cheval, il kick. Mais qui s'évale devant aussi, in just went away from him, et qui n'est pas capable de refaire son retour. L'entraîneur Alain Pedro fin défendre ce jockey. L'India qui Craftsman un cheval délicat, qui n'a souvent de problème. Mais l'India également qui est bien impressionné par rapport à Max Rapax, style qui Max Rapax signe ça les courses. L'India qui est un bien tigui de cheval qui est capable de gagner après un parcours aussi difficile dans sa fossette quarantaine. Bon, pensez, moi aussi, nous devons mettre les choses en perspective. Craftsman, tu peux monter le 1500 mètres après ce victoire la dernière fois sans diminuer les mérites de Amber Palace. Craftsman, tu bats Amber Palace. C'est là aussi, tu sais, il y avait une objection, ça joue là. Et là, ça les courses là, Max Rapax vraiment très très impressionnant, Radiv Lignin. Ça les courses là en N35. Il y a beaucoup de cheval dans sa classe là qui est capable réaliser un tel chrono. Et si vous regrettez les courses là, si nous regrettez la ligne droite, ça les courses là, nous trouvons que dans les derniers 50 mètres, le jockey Derek David il arrête monte ce cheval et pourtant il y a 2.35 longueur entre lui et Craftsman à l'arrivée. Même si Craftsman tu prends un bon départ de ça les courses, on pas si tu es capable de battre Max Rapax on the day samedi dernier. Ce qui est dit donc sur Craftsman et Max Rapax, Derek David qui un petit peu plus tôt signalé avec Pont d'Avignon. Oui, Pont d'Avignon qui tu peux retourner après sur les courses dans le Mauritius Derby contre l'Italien battu Roman Manet. Il profite pleinement ce poids plume pour faire la différence avec Derek David.
Brigitte, les courses remportées par Pont d'Avignon, les courses qui émaillées de quelques incidents. Oui, et émaillées par la chute surtout de Jean Bardotti, donc le Blood Boucanier. Nous trouvons Pont d'Avignon qui, là, David cherche une position, Independence qui est typé mène le train. Independence qui, une fois en tête, nous trouvait le jockey Marco Van Rensburg. Probablement, il y a un mauvais juge du pas si nous guettons le précédent les courses. Chez l'écurie Rameshwar Gadida. Independence, normalement, c'est un galopin, il a pleinement la distance. Il faisait les sociétés galoper un peu plus à ce stade au lieu de ramener à ce point. Et bien, Dutchel est autour de lui, puis ramène lui, il ne sait pas comment se tirer derrière. Lui, à son tour, il décide pour aller et lui réduire la course devant Independence. Et une fois, Independence commence à tirer à son tour et le jockey Van Rensburg, Bizin, quitte les bords. C'est probablement d'ailleurs ça les courses, ça, cette prestation de Independence qui ne coûte lui ce job lors de cette journée. Pour la suite, Emerald Approach prend l'initiative, donc, comme à son habitude, décide d'attaquer au bas de la descente avec le jockey Goumani. Oui, Emerald Approach, c'est un cheval bien, bien difficile. Il hang in, hang out dans les courses et de trouver ce jockey vraiment en difficulté ici. Et quelques mètres plus loin, nous vous trouvez pendant l'incident entre Parker. Et Blood Boucanier nous prévient nos salles incidents. On trouvait que Simeja également une faillite tombée. Pont d'Avignon, c'est juste derrière Simeja, le jockey. Et Derek David réussit à déboîter au bon moment. Paul à la poursuite des meneurs. Et avec ce poids de 55 kg sur le dos, Pont d'Avignon. Pour démontrer le meilleur finish en ligne droite. Mais nous trouvons que Marco Van Rensburg sur Independence, Independence pas démérité du tout, il revenait à la fin, même s'il nous a fait un écart en ligne droite, pour prendre la deuxième place. Independence certainement ne va la suivre lors de semaine prochaine. Aussi. Concernant Blood Boucanier, comment au fin d'aller, nous pourrions venir un petit peu plus tard. Et Cherish the Charm, finalement, qui ouvre ce compte. Oui, il gagne une victoire facile ici à la première ligne. Il profite du train qui s'est imprimé par Mighty Lion avec réajoulage devant. Et il remporte une belle victoire. Il est bien, bien green encore, ça c'est valable. Si vous êtes sur les courses, il est bien keen lors de la partie initiale. Et même en ligne droite, il a tendance, à chaque fois même il fait ça à l'entraînement, il a tendance à abuser un peu de la largeur de la piste. Mais il peut progresser de course en course et ce n'est certainement pas sa dernière victoire ici au Champ de Mars. Cherish the Charm pour sa toute première. Oui, nous trouvons les mêmes détails de stade du premier couloir. Il y a tendance à parler un peu à l'extérieur ici. Voilà, ensuite ce jockey pour ramener à la côte, pour céder le commandement à Mighty Lion. Mais une fois que Mighty Lion passe devant lui, on trouve si vous guettez ses oreilles. Il est bien keen, ce cheval-là. Si Mighty Lion qui réduit les courses un peu sur la partie initiale, il est capable un peu en difficulté de trouver David PC cette lié à ce stade. C'est-à-dire que c'est un jeune cheval qui risque de charm, il a encore pu apprendre. Oui, il y a encore une grande marge de progression. Si vous êtes Rebels Game, qui existe derrière lui, qui est également une jeune cheval, il est beaucoup plus relax qu'il y a à ce stade, parce qu'il certainement, il a plus, beaucoup, plus d'expérience de la compétition. Et nous trouvons là, nous boutons dans la ligne droite. Les pays improuvent facilement à l'extérieur de Mighty Lion. Dans ce sillage, nous trouvons Orba également, qui est sollicité par Nishal Tia, mais Orba pour jouer de la malchance. En ligne droite, Cherish the Charm, il a la tendance à aller à l'extérieur. Mais une fois qu'il retrouve ce balance dans la ligne droite, nous trouvons qu'il n'est pas faibli. C'est un cheval qui continue. Il y a une accélération à la fin. Il est encore bien green, mais il y en a beaucoup de potentiel. Là, nous trouvons l'incident entre Orba et Mighty Lion. Nous trouvons le jockey Oulash qui sent ce cravage de main et qui finit gêne sévèrement en bas dans la ligne droite. Il finit une coupe, deux semaines de suspension pour sa faute. Nous trouvons ce cheval là avec ce cravage dans la main droite. Il sent ce cravage de main. Ce cheval a tendance à aller à l'intérieur. Et il gêne sévèrement
En bas, Rebels Game également gêné. Le jockey Oulas qui finit coupe 2 semaines de suspension pour sa faute là, pour, donc pour KLS Riding. Donc, et tu as également une rétrogradation. Donc en bas, qui finit promu à la 3e place. Et moi, vous avez dit que quand nous regardons le film là, peut-être qu'à un moment où 300 mètres, moi personnellement, moi, je pense qu'en bas, tu es capable d'inquiéter Thierry Jevechamp au finish, façon qu'il puisse travel à 300 mètres de l'arrivée avant l'interférence qu'il finit subir. Et après les courses, moi, je demande Derek David qui, si il pense en bas, tu es capable d'inquiéter lui. Lui, moi personnellement, no way. Parce qu'il dit, moi, Thierry Jevechamp, pour lui, un bien meilleur cheval par rapport à Orba. Je n'aurais manqué Thierry Jevechamp, une fois qu'il finit trouver ce balance, il devrait aller par la suite. Classement jockey dans le gaieté, ce qui s'est donné. Et que là, pas mal de changements au niveau ben jockey, Marco Van Rensburg, qui pour Népli en action. Tout comme le jockey Moore, qui également finit de Mansour Ely. C'est Derek David qui est en tête. 23 victoires devant Jeannot Baudetier, 22 victoires. Brandon Lerena, qui n'est plus en action, en est à 20. Et puis le Mauricien Rai Jurawan, 16. Swapnil Rama, 10. Nudavina Inaiko, 9. Daryl Holland, qui vous retrouve dans pas longtemps la compétition. Voilà, l'investigation au niveau classement, Nitin. Oui, bien dire, Radiv, qui après le départ, les départs de Van Rensburg et de Mou, Derek David, c'est le seul jockey étranger qui peut monter actuellement au Champ de Mars. Voilà le point Lossa, classement jockey là. Et nous enchaîner avec l'écurie Gajada, Jeannot Baudetier, qui finalement nous capable de dire plus de peur que de mal samedi dernier. Oui, moi je pense que c'est un incident qui a pas vraiment de conséquences beaucoup plus graves. C'est vrai que l'écurie Gajada gagne le malheur, perd Blood Boucanier, qui est quand même un très bon cheval, qui tire le 4 victoires, 3 deuxième place. Mais. Et l'entourage Grigadier, c'est toujours Jeannot Baudetier, bien remercier le ciel qui et ça l'incident là, sa chute là, pas une conséquence plus grave, surtout pour lui. Il peut réaliser un excellent début de saison et ça, beaucoup de fils sur le champ de course samedi, une frissonnée, les tambours de Boucanier une tombée. Nous regardons cet incident là d'ailleurs tout de suite. Oui, ben le commissaire qui fait une enquête sur l'incident là, Rajiv, nous trouvait le cheval Parker qui est à l'extérieur de Blood Boucanier ici. Ce cheval-là a une tendance hanging, le jockey mou peut faire tout pour empêcher ce cheval-là à l'intérieur. Ben le commissaire qui fait une enquête sur l'incident, donc le jockey mou dit que depuis la descente, ce cheval a une tendance tire vers l'intérieur et que le temps il approche la courbe. Ce cheval il rentre légèrement à l'intérieur malgré tous les efforts qu'il peut faire pour garder à l'extérieur. Et ça, à ce moment, Blood Boucanier clipse sur Hill. Cela est confirmé par le jockey Baudetier qui n'a pas fini attribuer la responsabilité de sa chute donc, au jockey Mou. Nous trouvons qu'il y a au moins 4 chevals qui passent le Baudetier. Baudetier qui dit que ce cheval, le type égard, ce cheval à l'extérieur, un peu à l'extérieur, pas tout à fait le bas parce qu'il connaît Emerald Approach, une fois devant, c'est un cheval qui a tendance à arrêter. Donc, le type égard a une marge de manœuvre pour déboîter au cas où Emerald Approach faiblit trop vite devant lui. Et il dit que le jockey mou depuis la descente, il regarde ce cheval à l'extérieur, mais le temps il approche la courbe, Parker, il change les pieds. Et il rentre un peu à l'intérieur et ce cheval Blood Boucanier in clip sur Hills. Man commissaire donc qui finit écoute différents témoignages. Baudetier qui finit également insister qu'il Emerald Approach et il a un bearing l'eau sur l'incident là parce que ce cheval là tu peux hang in, hang out devant. Donc il pan blâme le jockey mou et à la suite de son témoignage là, man commissaire donc trouver qu'il n'est pas capable de blâmer personne et il reporte ça donc as a racing incident. Concernant Blood Boucanier, qui malheureusement l'écurie Gajada a fait une PAD, c'est une blessure à l'épaule, pas capable de récupérer Blood Boucanier. Mais au fin de cause, Jeannot Baudetier dans l'issue aussi après l'enquête pour des manies, l'eau sa chute là, il dit que Enaban Chual qui fait une tape avec son lipier et que les fins gagnent effectivement beaucoup de chance. Il fait un coup au pied, mais ça aurait pu être plus grave
que ça pour Jeannot Bonnetier, qui, pour prendre sa suspension, sa semaine en break, il est suspendu. Il tient une semaine de suspension qui est copée le Tandradi lors de la journée, lors de la 18e journée. En tout cas, c'est un Dimas qui, bien sûr, n'est pas content de trouver dans les courses, mais qui, malheureusement, fait partie du métier de jockey. C'est un peu ça, risque du métier de jockey. Et l'écurie Gadjeda, dans la dernière course, a indisposé Jeannot Bonnetier après sa chute-là. C'est Pravesh O'Rill qui s'est monté avec Green. Oui, Pravesh O'Rill qui a sa pick-up ride là. La côte Sévalène dégringolée et sensiblement après l'annonce donc, que Pravesh O'Rill allait remplacer Bonnetier sur ce cheval. Il tient un moment, il tient 370 roupies. Et après l'annonce que O'Rill allait le monter, le cheval sur la côte dégringolée à 1400 roupies avant la course. Mais Pravesh O'Rill quand même réussit. Et justifier la confiance placée en lui par l'entraîneur Sungajda pour amener sa cheval-là à bon port. Une victoire de bout en bout pour Evergreen et Pravesh O'Rill. Nous regrettons tout ça ici du troisième couloir. Oui, les pannes gagnent les courses faciles dans la partie initiale. Il fait un gros effort. Là, nous, en pleine montée, nous trouvons les Fight for the Lead avec Fire Curtain qui est à l'intérieur avec son premier ligne. Là, personnellement, mon fini élimine lui. Mon parti pensait qu'il était capable de résister à Billy Bojangles, qui lit tranquillement en midfield, à l'extérieur de Obligation. Mais ce qui est intéressant avec Pravesh O'Rill, c'est qu'il est un jockey qui est un bon lamé, surtout le man front runner. Après, un aussi gros effort, il réussit à ramener ce cheval au bas de la descente. Il permet ce cheval relax, reprend sur les souffles. À 700 mètres du poteau, en ce Kingdom Skip où il y a Page and Tree, Billy Bojangles. Ce cheval est bien récupéré, il est si galop de son pas. Trouver la Raid Duraman permet lui sa position. Raid Duraman qui dit peut-être l'infernier fait une erreur ici parce que les types viennent à l'extérieur de Kingdom Skip plutôt. Parce qu'en restant derrière Kingdom Skip, quand Kingdom Skip sortit à son tour à l'extérieur de Fire Curtain, les carry Billy Bojangles wide. Donc, il y en a beaucoup plus de terrain pour refaire. Et Billy Bojangles qui peut échouer à 0,15 longueur seulement de Evergreen à l'arrivée. Mais belle montre de Pravesh O'Rill qui, surtout en descente, il réussit à ramener ce cheval. Pravesh O'Rill qui peut donner un coup de main à l'écurie Gadjeda depuis quelques semaines à l'entraînement déjà et qui ramène une victoire cette saison. Classement l'écurie dans le gaieté, c'est que ça a donné maintenant au niveau des écuries. En tête, l'écurie Gadjeda en termes de stakes money passe là-bas des 7 millions. L'écurie Gilbert Rousset en deuxième position, 6 138 500. L'écurie Patrick Mervin, troisième, 5 534 500. De la bande des courses classiques qui est venue, bande des courses de groupe qui est certainement poupée dans la balance, Nitin. Définitivement, surtout. La grande course, le Maiden qui vaut certainement vaut ce pesant d'or. Chez l'écurie Ricky Minga, Piri Equatile qui répond présent et qui signale l'issue à la montre de Raid Jurawan. Oui, un joli duel dans sa course hein, entre Raid Jurawan sur Piri Equatile et Bordotier sur Headstrong Harry. Moi personnellement, c'est un des bonnes plus jolies la montre de Raid Jurawan qui m'a eu l'occasion de voir. Depuis le début de la saison, c'est une montre très intelligente, une montre les courses bien tactiques et les récits font la différence au départ de Headstrong Harry qui va démériter malgré tout. Piri Equatile face au gris Headstrong Harry, nous regardons ça ensemble. On a trouvé Piri Equatile sorti d'un 7e couloir et Man of His Word devant à ce stade et dès le départ nous trouvons Raid Jurawan pour une road positionnée à l'extérieur de Headstrong Harry qui peut tirer. Et à ce stade de la course, vous trouvez Rai, une finie pocket Jeannot Bonnetier à ce stade. Jeannot Bonnetier en difficulté ici. Ce cheval peut continuer à montrer lui très ardent. À un moment, Bonnetier nous gagne l'impression qu'il n'a même pas envie de quitter les bords pour se retirer à l'extérieur de Man of His World. Mais les temps Rai trouve ça, tout de suite, il file ce cheval un petit peu reine. Il ré et vient ferme. Headstrong Harry à la côte derrière Man of His Word.
Et Radio Arwan, visiblement, les connaît, qui mène à Wizwad, qui peut effectuer son rentrée loin de 1500 mètres. Il peut commencer à monter Mansi de détresse environ 300-400 mètres de l'arrivée. Là, nous trouvons les points de léger avantage, l'Ored son mari. Il connaît, il peut prendre sa first run là, il peut passer à l'extérieur de mène à Wizwad, il prend une edge, le son principal adversaire. Nous trouvons, le type est road sorti, mais Rai continue, il finit ferme sa passage là. Et là, il prend le first run. Il y a beaucoup de monde qui disent que le titre faisait passer à l'intérieur de Man of His Word à l'entrée de la ligne droite. Mais il disait que l'entraîneur de Krigadzidor avait dit qu'il Man of His Word. Et c'est vrai qu'il a toujours tendance à hanging en les courses l'année dernière. Donc, évite passer à l'intérieur de Man of His Word. Mais c'était quand même un joli duel entre ces deux cavaliers là dans la ligne droite. Et Steco qui prend la troisième place. Vincent Allette d'entrée avec Cinchona. Cinchona, c'était face à Lividus dans la première. Oui, Cinchona qui s'est déclassé dans sa première course. Elle est bien montée par Sunil Bassant qui ne réussit sûrement sur 8e ligne au départ. Cinchona qui se dérange les courses, qui garde le compte de classe. Et là, dans les courses à condition, il réussit et ramène son premier succès chez nous. Le départ de Cinchona qui nous peut regretter maintenant. Vous trouvez Lividus qui prend un excellent départ à l'intérieur, suivi de Obama à l'extérieur. Vous trouvez là Cinchona à l'extérieur de Rule of My Heart. Il y a une épaisseur ici à ce stade, à l'extérieur de Roman Express, mais Sunil Bassant pour ici trouve une position ici sur les barres. Derrière Lividus, c'est probablement là qui lui fait le plus difficile. Et puis, ce qui bouge en sa faveur, c'est qu'au 400 mètres, nous trouvons Lividus pour quitter les bas pour aller à mort sur l'attaque à l'extérieur de Obama. Il y a beaucoup de monde qui blâme le jockey Mou pour sa manœuvre là. Moi, personnellement, je pense qu'il n'est pas le choix. Parce qu'il was close on the heels of Obama qui partit vraiment avancer. Devant, il n'est pas capable de continuer à attendre là. Et Lividus, c'est un stayer. Il n'est pas capable de sprinter dans la ligne droite. Il tient une décision pour prendre une décision là. Mais ça joue en faveur de Cinchona qui me profite de sa passage à l'intérieur là, du coup, pour faire la différence au finish et permettre à l'écurie à l'aide de signer une 13e victoire. L'écurie à l'aide qui peut grappiller ce petit succès chaque semaine, même après le départ de Daryl Holland, il peut réussir sur l'épingle du jeu. Daryl Holland qui est blessé, nous rappelle après sa chute sur Hot Rocket. Et Meden 2015 qui peut approcher à grands pas, dans pas longtemps maintenant. Le Fingayen premier l'opinion, si nous ne pouvons pas rappeler comme ça l'Oban éventuel participant à sa course là. Et Nitin Boulsara qui est parti présent, mais c'est N parmi les coursiers qui bien suivent. Oui, mais bizarre dire qu'il est coursier, le Meden est réservé à un cheval normalement d'un rating de 65 à monter. Et valeur du jour, un partant probable, il y a seulement 6 partants probables. Il y a Vettel, Everest, Boulsara, Diamond Light, Skippy John Jones et Love Struck. Probablement, commissaire Racing Department pour bien revoir sa rating là à la baisse pour permettre un plus grand nombre de chevaux participent à sa grande course. Hein. Nous pas écarte la possibilité de voir Independence au départ, Independence de l'écurie Ramchaud Gadjidor qui est également une cheval de moyenne distance. Top Jet, moi pas quoi qu'il est au départ, surtout après ce participation dans le Golden Trophy, que vous trouvez qu'il faut probablement y en avoir une stamina doubt. Isaac, c'est également le passé s'il est au départ. Boulsara, depuis sa victoire sur le Barbé, les pays entraînés régulièrement. C'est l'entraîneur qui décide pour faire l'impasse lors le Golden Trophy pour garder l'eau sur Fraissière. Est-ce que c'est une bonne décision parce qu'il faut bien faire une transition c'est 100 mètres 2004 qui n'est pas nécessairement évident. Mais Boulsara le trouvait, il est en pleine forme. Là, c'est un galop qu'il a réalisé dans quelques semaines de cela en compagnie de Vettel de la Grande Piste. Mardi matin, il a très bien travaillé en compagnie de Roman Manet et il est vraiment dans une très très belle forme actuellement.
Donc Bulsara, le partant de l'écurie, Gadjador. Nitin Henbrick, ça se maintenant le temps de respirer avant de revenir pour la suite de la saison. Merci beaucoup de vos présences sur ce plateau. Nous remercions également Kamlesh Rajkumar qui t'y assure la suppléance la semaine dernière. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Bonne soirée, à bientôt. None of them dishes ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby. So make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees. Keep him, please, rub him down. Be a lady and a freak. Oh,